Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et au travers de cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur le prochain pay-per-view de la WWE, à savoir Crown Jewel qui aura lieu ce jeudi soir et donc au travers de cette vidéo, je vais vous délivrer tous mes pronostics pour tous les matchs qui sont annoncés pour cette soirée. Alors peut-être qu'il y aura d'autres matchs d'annoncés d'ici là, mais franchement j'ai voulu attendre le dernier moment, j'ai voulu attendre que Raw soit passé, donc je ne pense pas que ça évolue beaucoup jusqu'à jeudi soir, donc je pense qu'on n'est pas loin d'avoir la carte finale. Avant de commencer mes pronostics, je vous invite bien évidemment à télécharger l'application WrestlingBet, une application pour faire vos pronostics sur la WWE, et tous les matchs que je vais citer au travers de cette vidéo sont évidemment disponibles sur cette application et vous pouvez faire vos paris et vos pronostics sur ces matchs-là. Ceci étant dit, c'est parti, on va pouvoir commencer. On va commencer avec la Bataille Royale. Donc il y a une Bataille Royale qui a été annoncée cette semaine. Une Bataille Royale va avoir lieu pour déterminer le futur challenger au titre des États-Unis. Et celui qui remportera cette Bataille Royale aura le privilège d'affronter AJ Styles pour le titre des États-Unis le même soir. Donc on aura un match pour le titre des États-Unis, ça c'est sûr. La WWE a d'ailleurs annoncé la liste des participants pour cette Bataille Royale. Alors je vais vous les citer, ça a été publié sur internet en début de semaine là. Donc il y aura Apollo Crews, Buddy Murphy, Andrade, Drake Maverick, Eric Young, Luke Harper, Cedric Alexander, Heath Slater, Humberto, No Way Jose, Sonil Singh, Mojo Rawley, Eric Rowan, R-Truth, Sin Cara, Brian Kendrick, Titus O'Neil, Tony Nese, Akira Tozawa et Shelton Benjamin. Alors ça va être très difficile pour moi de déterminer le vainqueur de ce combat. Il y a beaucoup en fait de jeunes talents qui pourraient avoir un petit push durant cette soirée. Je miserai peut-être sur Humberto. Voilà, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin cette semaine du coup à Raw, j'en ai parlé durant ma review, c'est vrai que Humberto a l'air de vraiment être mis en avant ces dernières semaines. Il a affronté Seth Rollins il y a 2 semaines, là il a affronté AJ Styles cette semaine, AJ Styles a d'ailleurs refusé de lui serrer la main. Donc je pense que les officiels ont en tête de nous mettre un petit AJ Styles contre Humberto pour le titre des États-Unis. Donc pour ce qui est de cette bataille royale, je vais pronostiquer en effet Humberto. Je vais donc en profiter pour maintenant parler du match pour le titre des États-Unis. On aurait donc Humberto contre AJ Styles, si en tout cas j'ai raison et si on suit ma logique. Donc Humberto contre AJ Styles, je miserai sur AJ Styles et je dirais que AJ Styles va ressortir vainqueur. Je pense que c'est trop tôt pour notre ami Humberto. Je pense que oui, il va être mis en avant petit à petit, mais remporter le titre des États-Unis après un 4e match, ça me paraît compliqué, donc je pense pas qu'ils deviennent champions dès maintenant, et puis surtout je pense qu'ils veulent faire conserver le titre des États-Unis encore un petit peu à AJ Styles pour qu'il ait un règne assez un peu plus mémorable, parce que là depuis qu'il a le titre, hein, ça fait un petit moment mine de rien, et ben depuis qu'il a le titre, moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je ne retiens pas grand chose. On va maintenant parler de la Coupe du Monde de la meilleure équipe. On aura en effet le plus grand tag team turmoil match de l'histoire. Donc c'est un match composé de The OC avec Gallows et Anderson. On aura les Revival, je suis désolé, je suis obligé de lire hein, parce qu'il y a trop d'équipes, je vais pas m'en souvenir. On aura également Zack Ryder et Kurt Hawkins. On aura la Lucha House Party, on aura Robert Roode et Dolph Ziggler, on aura les Viking Raiders, on aura le New Day, on aura Heavy Machinery et on aura Curtis Axel et Bo Dallas. Donc là c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de grosses équipes. Alors peut-être qu'on aura une grosse surprise et que ce sera une équipe inattendue qui va remporter cette Coupe du Monde. Un peu comme l'année dernière avec Shane McMahon qui a remporté la Coupe du meilleur catcheur au monde. Voilà, on n'en reparlera pas, hein, on va pas parler des choses qui fâchent, mais peut-être que là, on aura une autre surprise, et peut-être que ce sera, par exemple, The Lucha House Party qui remportera le match. Là, pour ma part, en tout cas, ça serait une énorme surprise. Je m'attends vraiment pas à cette équipe-là en tant que gagnante. Perso, si je devrais miser sur une équipe, je dirais soit New Day, soit The OC, peut-être les Revival. Peut-être Dolph Ziggler et Robert Roode, mais voilà, je vois pas par exemple Bo Dallas et Curtis Axel, je ne vois pas la Lucha House Party, je ne vois pas Zack Ryder et Kurt Hawkins, voilà, il y en a plusieurs que je vois pas, donc comme ça, je dirais, allez, faut que j'en choisisse, c'est dur, je vais dire le New Day parce que c'est selon moi l'une des équipes les plus populaires et je pense qu'ils vont faire gagner le New Day, mais sans certitude, franchement, c'est très difficile de pronostiquer ce genre de match. Et honnêtement, j'ai pas plus d'attirance que ça envers ce match. C'est un match pour remplir la carte qui, pareil, comme d'habitude, sort de nulle part. Donc, pas d'attente particulière. Je vais maintenant parler du match entre Mansoor et Cesaro. Alors là, ça va être expéditif.
Mansoor va gagner. Voilà, c'est le héros local. Donc ce match a d'ailleurs été planifié uniquement pour ça, hein, parce que sinon, dites-moi d'où sort le Mansoor contre Cesaro. Il sort vraiment, vraiment de nulle part. Il a été planifié parce que Mansoor est le héros local et parce qu'il faut une ovation, il faut montrer au peuple que voilà, les héros locaux sont ici. Et donc ils vont faire probablement gagner Mansoor. Je vois difficilement le héros local perdre ce match. Donc Mansoor, je suis sûr à 99,9% qu'il va remporter ce match. Parlons maintenant de ce gros match par équipe, Team Hogan contre Team Flair. Donc ce sera un match 5 contre 5. D'un côté, on aura du côté de la Team Hogan, Roman Reigns, Rusev, Ricochet, Shorty G et Ali. Et de l'autre, du côté de la Team Flair, on aura Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura et Drew McIntyre. Alors déjà, première grosse déception pour ce match, pour ma part, c'est que ça n'est pas un match à élimination. Le premier tombé mettra fin au match. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, surtout quand on a de nombreux participants comme ça. On aime bien que petit à petit, les adversaires commencent à diminuer, que le nombre de participants au match commence à diminuer. Et donc, pour ça, les éliminations, c'est bien, c'est qu'on commence à y voir un petit peu plus clair vers la fin du match. Et on a des survivants, enfin voilà, c'est un peu le concept des Survivor Series, c'est même le concept des Survivor Series, je sais, mais quitte à organiser un match 5v5, il faut mettre en place les éliminations, là ça va être assez ennuyant je pense. On vous imaginez, on va avoir 5 catcheurs de chaque côté dans chaque coin durant tout le match, il va y avoir des interventions de partout. Franchement, ça risque d'être assez ennuyant et je suis pas ultra attiré par ce match. Je l'ai dit, hein, je l'aurais été beaucoup plus si c'était un match à élimination. Maintenant, Team Hogan ou Team Ric Flair? Franchement, je suis partagé. Hein. C'est vrai qu'il y a des bons gros noms de chaque côté. Il y a des jeunes talents de chaque côté. Je vais dire la Team Flair. La Team Flair avec Orton, Corbin, Lashley, Nakamura et Drew McIntyre. Je pense qu'ils vont gagner. Je ne sais pas qui fera le tombé final. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, j'ai envie de voir ce match parce que c'est Hogan et Flair, quoi, c'est deux légendes. Donc forcément, moi en tout cas, ça me fait toujours plaisir de les voir dans ce business. Donc je vais le regarder ce match, mais le 5 contre 5, voilà, déjà vous le savez pour ceux qui me connaissent un petit peu, les matchs par équipe c'est pas trop mon truc. Mais alors là, ça va être un fouillis pas possible, donc ça m'attire pas plus que ça. Parlons maintenant de Braun Strowman contre Tyson Fury. Donc vous le savez, il a fait ses débuts dernièrement. C'était lors des débuts de SmackDown sur la Fox. Tyson Fury a eu une confrontation avec Braun Strowman et depuis les deux sont entrés en rivalité. Et le match a été annoncé pour le pay-per-view. Donc on a d'un côté un boxeur, de l'autre une grande superstar de la WWE. Autant vous dire que j'ai un peu peur quand même sur la qualité de ce combat, hein. Ça va nous faire... Bah après, c'est pour ramener du monde, hein. Évidemment, c'est pour la popularité de Tyson Fury que ce match est organisé. C'est certainement pas pour nous proposer un match de qualité, loin de là. C'est un peu à l'image d'un Floyd Mayweather contre le Big Show que nous avions eu à WrestleMania 24 en 2008. Ça va être exactement la même chose. Donc, sauf que là, on n'a pas de problème de gabarit quand même. Floyd Mayweather était un petit gabarit, le Big Show était un gros gabarit. Là, on a des gabarits assez similaires. Il va d'ailleurs y avoir une pesée organisée aujourd'hui même, il me semble. Ça va être des gabarits assez similaires, donc ça va être du fight, hein, je pense. Hein. Ça va vraiment pas être du grand catch, loin de là. Mais en tant que vainqueur, je vois quand même Tyson Fury remporter ce match. Je le vois difficilement venir à la WWE pour perdre son match. Donc voilà, c'est un peu comme le Floyd Mayweather, encore une fois, contre le Big Show. Floyd Mayweather avait remporté le match. Là, je pense que ça va être pareil. Alors, peut-être sur un KO, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais pronostiquer Tyson Fury. Parlons maintenant du match pour le titre universel. Nous allons avoir d'un côté le champion universel, Seth Rollins, contre Bray Wyatt, alias The Fiend. Donc, une revanche du match à Hell in a Cell. Alors, de nombreux internautes et de nombreux fans ont été déçus par la fin de Hell in a Cell. J'en fais partie, c'est vrai que je m'attendais à une autre fin, on attendait tous peut-être Bray Wyatt champion, on attendait tous au moins une défaite clean de Bray Wyatt quoi. Mais même pas, ce que nous avons eu c'est une fin très controversée, où l'arbitre a arrêté le combat et donc on est tous restés sur notre fin à Hell in a Cell. Et donc la WWE a planifié un rematch lors du pay-per-view qui aura lieu ce jeudi soir. Et on aura cette fois-ci un false count anywhere match, c'est-à-dire que les tombées peuvent se faire n'importe où. Et ils ont même précisé que le match ne pourrait être arrêté pour aucune raison. C'est-à-dire que même si Bray Wyatt va trop loin avec son personnage et qu'il est prêt à faire un meurtre, limite, j'exagère évidemment, mais quoi qu'il en soit, le match ne pourra pas être arrêté. La WWE a l'air d'insister sur cette stipulation. Est-ce qu'elle va être respectée? Je l'espère.
Quoi qu'il en soit, le match aura lieu. Je m'attends à un bon match parce que le personnage de Bray Wyatt est ultra divertissant. En plus, on pourra aller partout dans l'arène. Ça veut dire que les armes seront très certainement utilisées. Voilà, ça risque d'être vraiment divertissant pour le coup. J'ai hâte de voir quelle fin ils ont prévu pour ce match parce que honnêtement, je vais pronostiquer Seth Rollins. Je vois pas Bray Wyatt s'emparer du titre universel maintenant, surtout maintenant qu'il est officialisé du côté de SmackDown. Ça voudrait dire qu'il y a les deux titres de champion du monde du côté de SmackDown, ça me paraît vraiment difficile. Donc voilà, je pense que Bray Wyatt va perdre, mais encore une fois, je vois pas la fin clean. Je sais pas ce qu'ils vont inventer, mais ça me paraît difficile de faire perdre le personnage de Bray Wyatt, surtout avec la crédibilité qu'il a atteint jusqu'ici. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils ont annoncé cette stipulation qui annonce que rien ne peut arrêter le match. Je prendrai ça avec des pincettes quand même. Et enfin, terminons cette vidéo pronostic avec ce qui sera probablement le main event de la soirée. On aura Brock Lesnar contre Ken Velasquez pour le titre de la WWE. Et oui, j'ai bien dit pour le titre de la WWE. Et c'est là que ça m'inquiète un peu personnellement, enfin ça m'inquiète entre guillemets. Bon, que les deux s'affrontent en soi, franchement, c'est un combat que je sais pas si, j'allais dire que tout le monde a envie de voir. Donc je vais pas m'avancer, je ne sais pas si c'est le cas, vous allez le dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais en tout cas, je vais parler pour ma part. Pour ma part, j'ai envie de voir ce combat. J'ai envie de voir ce rematch de MMA. Mais il faut quand même se rappeler que nous sommes dans un ring de catch. Et est-ce que Ken Velasquez va réussir à faire la différence? On a pu voir lors des récents segments à Raw que oui, il essaye de faire la différence. Mais justement, c'est un problème parce que on voit que ses coups, il les porte pas vraiment, il se retient et ça a tendance à se voir. Voilà, il se bride trop et du coup ça se voit. En tout cas, moi c'est ce que j'ai remarqué. Donc ça me fait un peu peur pour le match. J'ai peur que ça empâtisse sur la qualité du match. On verra bien. Brock Lesnar, lui, depuis le temps, il sait se contrôler. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que des fois, il a des gestes un peu brutaux. Il a tendance à blesser certaines superstars. Mais globalement, il sait encore catcher, il sait faire la différence. Voilà, Brock Lesnar, je me fais pas trop de soucis pour lui. Mais Ken Velasquez, après ce que j'ai vu à Raw, je suis un peu méfiant. Et voilà, je me dis que je m'avance pas trop et j'attends de voir ce qui va se passer du côté du pay-per-view. Donc sur la qualité du match, je suis pas ultra confiant. Et en ce qui concerne le pronostic, là c'est très difficile. Très difficile. Ce qui me gêne, c'est que le titre de la WWE est en jeu. Donc j'ai tendance à dire Brock Lesnar. J'ai tendance à dire Brock Lesnar parce que je vois pas le titre de la WWE aller sur les épaules de Ken Velasquez alors que Ken Velasquez n'est pas catcheur, il n'a pas de passé de catcheur. Ou alors quelques matchs, hein, je sais, vous allez me citer les matchs du Mexique, mais voilà, en soi, c'était pas un catcheur, il a un grand passé de MMA, mais c'est tout. Donc lui donner un titre de champion du monde, qui est le titre le plus prestigieux de la fédération, ça me paraît quand même gros. Et je le vois pas champion pour l'instant. Donc je dirais Brock Lesnar, mais d'un autre côté, l'autre côté de la balance, ça me paraît difficile de dire à Ken Velasquez, bon, on t'offre un match face à Brock Lesnar, mais tu vas le perdre. Donc voilà, faut peser le pour et le contre, mais je vais quand même dire Brock Lesnar. Je vais quand même dire Brock Lesnar parce que le titre de la WWE est en jeu. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo pronostic pour le prochain Pay-Per-View Crown Jewel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu sous cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je t'invite bien évidemment encore une fois à télécharger l'application WrestlingBet pour faire tes paris sur la WWE et donc sur le prochain Pay-Per-View. Tu vas pouvoir miser des jetons virtuels et tenter d'être le meilleur pronostiqueur de catch au monde parmi les plus de 6000 membres maintenant, je crois, sur l'application. Donc vas-y, tente ta chance, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et même dès demain pour une vidéo news. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!